Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Hell Let Loose pour découvrir le rôle de commandant. Alors, le commandant, il est en contact avec tous les officiers de son armée et il doit anticiper en fait les mouvements ennemis, anticiper les demandes, si possible, des officiers. Pourquoi pas aussi commander les unités, c'est-à-dire dire eh bien, qui reste en défense, qui reste en attaque, qu'est-ce qu'on attaque. Qu'est-ce qu'on défend, à quel endroit il faut du ravitaillement, envoyer des bombardements, etc., etc. Dans ma précédente vidéo, on a vu que l'ingénieur pose des nodes pour ravitailler le commandant en ressources. Les ressources sont munitions, effectifs et carburant. En fonction des ressources, ici, donc là on est sur les effectifs, on peut établir une tête de pont, renforcer, encourager, démanteler une garnison. Au niveau des ressources munitions, on peut larguer du ravitaillement, envoyer un avion de reconnaissance, un mitrage au sol, un bombardement. Et au niveau du carburant, eh ben, c'est tout ce qui est tank. Vous avez le Panther qui est juste ici, vous avez le Tiger. Et puis on a tout ce qui est véhicule de soutien et véhicule de reconnaissance. Donc c'est parti, on va commencer. Hop. Allô, excusez-moi, j'étais AFK. Excusez-moi, j'étais AFK, je prends toutes les demandes, c'est parti. Alors ici ça peut être sympa de passer une garnison par exemple. Deuxième char sur marqueur Georges, en progression vers Moulin. Donc je vais m'y rendre, à moins qu'ils aient posé déjà ce qu'il faut, non. Je mets la garnie Moulin dès qu'on capte. Sniper, faites attention derrière vous, sur Moulin il y a du monde. C'est capé. Ok. Garni up sur Moulin. On va envoyer un avion de reco juste ici. Peut-être un petit peu au-dessus. Est-ce que vous avez noté le blindé ou j'en commence? Ici Baker, on a deux panthères sur la. Deux T-34 pardon sur la tranche. Pas mal de blindés sur le moulin si j'ai bien compris. Ils sont sur la garnie au moulin. J'ai mis un Tiger en bas à gauche. Possible d'avoir un camion de supply HQ mid pour poser des nodes, commandant. Alors il y en a déjà un au mid. Alors c'est un fusilier qui l'a planté dans une tranchée. Très bien, je te pose ça. Merci beaucoup. Essayez de les ramener les camions, comme ça vous pouvez les ravitailler directement. Marqueur observé, je sais pas si tu le vois. Bien pris. Mon commandant, est-ce que je peux avoir un Panther tout à droite s'il te plaît? Ouais, bien sûr, je peux t'envoyer ça tout de suite. Sinon, j'ai un Tiger dans 2 minutes, je peux faire quoi? Non, non, vas-y, Panther, go Panther. Ah. Donc voilà, c'est vraiment un rôle de fourniture. Vous fournissez toute l'armée en équipement. Et faut aimer, hein, faut aimer le combat. Moins le combat, mais plus la stratégie. Comment ça se passe sur Moulin? Est-ce que j'envoie un bombing? Moulin, nous on est à la reco, là, on voit personne là. Hein. Ok, bien pris. Si vous avez besoin d'un bombing, j'en ai un disponible. Hein. Ça marche. La charge, on part en attaque frontale. Ebel, on a nettoyé ton marqueur blindé, tu peux le tirer. Alors, son tir d'artillerie de Katushka, y'a personne qui rush. Il l'a envoyé pour l'habitude. Je pars poser la garnie au niveau des moulins. Essaye de la poser un petit peu en retrait, hein, pas sur moulin pile. Bien pris. Comme ça, allez, si vous faites prendre moulin, vous avez toujours moyen de revenir. Vous trouvez un petit coin, je t'envoie un ravis si tu veux. Non, c'est ok, il y a déjà 52 supply, mais je crois qu'ils ont balancé un drop au moulin. Ça marche. Tu feras attention, tu fonces sur un blindé.
me manque encore quelques nodes si vous avez des ingés qui n'ont pas posé. Et commandant, je vais demander un panther si tu peux au milieu ou à droite. Panther disponible dans 1.44 et il me manque pas mal de ressources. Peut-être convertir un peu, attends, je regarde. Nouveau ou pas? Ils sont vers les spawns, hein. Fais attention à certains gaz. Je vais fumer ta. Ok, on va essayer de s'occuper du moulin parce qu'il y a sa snipe pas mal de là-bas. Oh, danke schön. Attention à la. J'envoie un bombing en E, en H4. Hein. Attention. Ouais ouais, effectivement, il n'y a plus de défense sur une maison de l'aigle, ce serait bien qu'il y ait que le tank. Ce serait bien que le tank reste dans le secteur. Oui, tu veux quoi? Panthère ou tigre? Équipage complet, je vais essayer de vous fournir un tick, ce serait bien. Il faut 400 de carburant, j'ai 350, je vais essayer de te générer ça. Les gars, on peut pas avoir. Ok. Main droite, commandant. Tiger, tu le veux où? Soit pointe gauche, soit pointe droite. Je te le mets en bas à droite et essaye d'aller sur maison de leg. Au cas où. Si l'arty peut envoyer de la smoke sur défense en profondeur. Est-ce que la gigue peut rester sur maison de l'aigle pour l'instant? Ouais. Superbe, merci. La gigue, on arrive, on va te fournir un appui tigre. Non mais ils sont pas nombreux hein. Ouais mais on va se trouver une position de tir et on va sniper. Je préfère que ce soit bien safe. Bon, ils sont deux ou trois max. Il y a encore des gens sur les tranchées, ouais, une escouade. On a un char sur site. Char, vas-y. Là, t'as son flanc, il s'est coincé. Il s'est coincé en tranchée. La hache, vous restez en défense sur défense en profondeur. Tant qu'on place les garnis. Panthère dispo. Tu peux me pousser un drop, commandant, pour H3, j'y vais. Marqueur infanterie L, marqueur infanterie L. H3, je te pose un ravi. Il vient de poser une garnison sur marqueur infanterie L. S'il a pas bougé le marqueur infanterie. Ils arrivent par le sud de défense, ouais, c'est ça. Profondeur. Le marqueur. Attention, ça cap défense. Attention, la King. Essaye de déplacer sur défense. Dev, tu l'as mis au middle, mon commandant. Ah, merde, putain, il s'est mis au middle, fais chier. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Désolé. T'as loupé. T'arrives. Je renforce défense. Essayez, la King, de vous déplacer sur défense, ça cap. On est en route. Parti. Le ravitaillement est parti sur H3 pour une garnison. Le torrent, ouais, ok, bien pris. Je t'envoie sur pile sur le torrent. Allez, parti. Ok, reçu. Attention, la dog, y a une reco qui vient de me fumer de la terre. Attention, marqueur ici, tank pour tigre. Sur mon ping. Mais sont en AP. On a perdu le tigre. Derrière la maison. Ah bah il vient de se faire traiter par. Ouais, il vient de se faire traiter. Il y a un IS, il est à gauche, ok. Tu peux nous en mettre un autre tout à gauche ou pas? J'essaye. Non, il manque 50 de ravi et carburant. J'ai visu sur tank qui sort de leur main. Ouais, faut attendre un peu. Si un dernier 1G peut me poser les derniers nodes, ce serait fantastique. L'IS est marqué. Et on a un autre tank ici. Et bon, tu peux nous les mettre, on a les 400 points, mon leader. Tu peux nous mettre le tigre. Je te l'ai mis à gauche. Attention, t'as deux chars en face de toi. Une fois que t'as passé moulin, t'es face à deux chars. Ok, on s'en occupe. Avion de reco sur défense en profondeur. T'as perdu la garnie d'attaque. Ouais, je viens de voir ça. Apparemment, on a un tank aussi à l'est. Marqueur E. Marqueur E, on a un char lourd, attention. Il
Marqueur Baker, ping précis. Hein. Il avance. Jouer ça. Barnabus, deux chars à l'aile. Deux chars sur moulin, ouais, je sais, ouais, je sais, je spot là. Je vais remettre les gars sur moulin. On a des anti-chars dessus et deux chars à l'aile. Ouais, il faut les deux fous, les gars. Ils sont là, t'as de bois. Là où il y a le camion qui va mourir. Ils sont là, je vous note. Sur Pindor, on est facile là. Voir l'IS, messieurs, on a eu un T-34 sur notre gauche, mais l'IS nous pose problème. Bon, c'est sur moulin, il y a toujours 50 tanks. On en a eu un, nous, sur moulin, on a eu un T-34, mais l'IS a réussi à partir. Ouais, l'IS est toujours là. Hein. Deuxième tic, on est là. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille davantage sur les moulins avec Sainte-Merguez ou qu'on appuie depuis Maison d'Oleg pour faire un feu croisé? Ce que je voudrais, c'est qu'on ait une belle ligne de tigres qui descende progressivement sur défense en profondeur là et pour aider l'infanterie. Ouais, on a beaucoup de résistance dans les tranchées sur Georges. Ok, bon bah du coup, nous on va aller sur marqueur déplacement Baker, tout à droite, colonne H. Très bien. Faites attention sur marqueur marqueur blindé, on a quand même l'IS qui est derrière la maison. Enfin, il y a deux autres tirs qui arrivent. Donc, normalement, niveau tank, on est bien quoi. On n'est pas en position avant 5 minutes. Est-ce qu'il y a j'ai un bombing, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Donnez-moi une position à bombarder, j'en vois. Hein. Réserve-le, je te transmets position. Ok. Sur marqueur, commandant, j'ai un tank. Hein. Attention, bombing sur défense en profondeur. Non, c'est plus. Hein. Attention, bombing. Arti, smoke, défense en profondeur. Sur défense. Putain, c'est rempli de monde, c'est incroyable. Bon, pour votre information, il reste 10 minutes. Donc, pas de prise de risque. Hein. Trop dingue. Tous à l'attaque. Ils vont essayer de nous push très très fort, je pense. Bon, on a 3 tigres quand même. On est bien. On perd pas Oleg, quoi. C'est bon, il nous reste plus que deux Tigers là sans la map. Hein. Je vous mets un autre tigre en bas à droite. Hein. Ouais. Encore 3 minutes à tenir. Véhicule léger ici hein. Non, j'aurais pas le temps d'envoyer mon dernier bombardement.